Salut tout le monde! Alors aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un nail art vraiment très facile, accessible à toutes du coup pour Pâques. Alors Pâques, si je vous explique, c'est une fête entre guillemets que j'adore, enfin c'est surtout qui dit Pâques dit chocolat et dit lapin. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire un nail art et ce sera vraiment très très facile et très très rapide. Donc voilà, donc c'est parti pour le nail art. Voici donc les vernis dont vous aurez besoin. Premièrement, un vernis Yes Love Lila, deux vernis Yves Rocher Plutôt Printemps, un vernis de chez Modern Nails Art Bleu Clair, ainsi qu'un vernis Miss Cop Rose Pâle. Plus de ça, vous aurez besoin d'un dotting tool et d'un pinceau fin. J'ai pris mon liner noir et j'ai commencé à faire des espèces de petits motifs aztèques comme ça. Donc j'ai fait des petits ponts un peu pointus. Donc voilà, voilà. L'image parle d'elle-même. Ensuite, je prends un dotting tool et je fais des petits points en dessous. Alors, j'en fais 3 à chaque fois. Donc, ensuite, je prends de la peinture acrylique blanche parce que je trouve que c'est beaucoup plus net que du vernis blanc. Et je trace un espèce de petit pont comme ça pour faire la tête d'un lapin. Donc, ensuite, je trace les oreilles. Alors, la première, je la trace vers le haut puis je la fais descendre vers le bas. Et la deuxième, je la fais tout simplement beaucoup plus verticale. Et si je trouve que c'est plus rigolo si elles sont pas pareilles, voilà. Ensuite, je me remunis de mon liner et je vais faire les petits yeux de mon lapin. Donc j'en fais 2, bien évidemment. Ensuite, je fais une petite pointe pour son nez. Et après, je vais essayer de tracer les petites moustaches qui s'en vont sur les côtés. Après, j'ai décidé de dessiner un petit poussin qui sort de sa coquille tout simplement parce que c'est trop mignon. Donc j'ai pris ma peinture acrylique blanche et j'ai dessiné des petits ponts comme pour les motifs aztèques de tout à l'heure et j'ai rempli la forme. J'ai fait la même chose en haut et en bas afin de faire une sorte de petite coquille qui se casse en fait. Ensuite, je prends mon vernis jaune et je remplis au milieu du coup et ça va être le petit poussin. Donc ensuite j'ai pris un dotting tool et mon vernis noir et j'ai ensuite fait 2 petits points pour les petits yeux de mon petit poussin. Ensuite j'ai tout simplement pris mon liner et j'ai repassé afin qu'on voit bien la coquille et la forme du coup de la coquille qui se casse. Donc ensuite j'ai dessiné 3 petits œufs de différentes couleurs avec mon dotting tool sur mon petit doigt. Et avec mon liner j'ai juste fait les contours. Et enfin sur mon pouce j'ai décidé de m'amuser, donc j'ai pris un pinceau hyper fin de détail de 0 et j'ai pris de la peinture noire, j'ai ensuite écrit Happy Easter. Et tada, c'est à présent terminé, maintenant top coat. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, abonne-toi à ma chaîne et retrouve-moi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou mon blog, je vous mets les liens en barre d'infos. À la semaine prochaine. Retrouve sur mon blog un article avec des DIY 100% pack, lien en barre d'infos. Bonus! Ma vernitech s'est agrandie!